Bonjour Frère Maxime, comment nous sommes? C'est GFL Cuisine Créole, Jean Fédon lundi. Votre chef à la maison contre la canou, moi dis nous merci, hein, merci pour tout. N'oubliez pas de partager la vidéo pour moi entendre le faire. Nous même qui faisons abonner sur la chaîne, moi demande nous lorsque nous abonnez, n'oubliez pas de peser sur cette cloche là, lorsque moi mettez une vidéo en ligne pour nous capables de le mettre. Jodi a la moi le préparer, moi le faire pour nous, un petit consommé actualisé. L'aime dit consommer actualisé, ça veut dire moi mettre yon bagay la dedans que nous pas qu'on habitué mettre. Pour moi faire consommer actualisé pour nous, mais yon vrai consommé là. Moi a faire avec deux sortes de viande. Moi gagne là viande bœuf qui c'est beaucoup de côte là m'prend et puis ça lui même si cabrit dit si ça nous t'a les jarret. Nous prend jarret cabrit là, c'est avec moi faire petit consommer actualisé pour nous. Moi chauffer, moi mettre l'huile dans chaudière qu'on a moi colorer viande. Moi mettre sel, mettre poivre. Lorsque nous virons viande là, l'autre côté là qu'on a nous assaisonné aussi. Nous pas mettre un peu de l'huile dans chaudière parce que si nous mettons un peu de l'huile dans chaudière viande là c'est frit, la frit il pas colorer. Premier, ça me défait à moi mettre dans deuxième là. Qu'on a là, il va pas bouillir encore. Pour que ça fait, c'est comme ça moi faire. C'est pour qu'on cherche tout ce qui est en viande là, tout goût viande là ça baille là. Et nous même qui en bas de là. Qu'on a qui ça me fait, mettez carotte avec céleri là, chaudière. Et moi mettez l'autre oignon aussi. Dans ma petite bien soué. Même venir avec deux cuillères d'épices créoles, on mettait là-dedans. Il sentit bon, hein. Pendant que l'épices créole a bien soué l'environnement avec tout mes poids, on mettait une belle cuillère à de tomate. Lorsqu'on fait un consommé, tout ça qui va le côté goût de manger dans le consommé, qui va le faire consommer un bon, c'est viande. Ou de mettre accent sur viande. Nous, tout ça me fait là, c'est parfait là. Okay? Qu'on a mis une fois de dernier assaisonnement. Une fois que je réalise tout ce qui a fait bien coloré, pas tomate, moins viande, moi, on vient avec un quart de jus de citron. Je vais vider là-dedans. Waouh, ça sent vraiment, vraiment bon là. Qu'on a tout à fait là, je vais le déposer. Aromatisation. On met thym, on met persil. Là, on met aromatisation. On va pas le mettre pour nous là, on va mettre bouillon de poulet. On va juste mettre de l'eau. On met de l'eau là-dedans. Une fois que on met de l'eau moins plus haut que vient là, là on venir avec clou de girofle. On met couverture moins sur dit qu'on a quitté là avec on dit fait très haut dès que les bouillis qu'on y a là m'a descendu fier qu'on a pas quitter le cuit tranquillement m'a venir sous nous avec nous constater là nous recommande la bouille fort il pas doit bouille fort comme ça on diminue volume moins m'a toujours quitter couverture à sous lit mais la vienne bouille pour que viande là capable cuit tendre qu'on y a là en l'autre chaudière moi pral montrer nous tout ça qui pral fait consommer on gagne cresson là. Moi lave li, moi coupe li, moi mette la dans la dans chaudière de l'eau à part. Moi montre nous comment pour nous faire bouillon de poulet déjà. Si toutefois nous pas faire beaucoup de consommer, même si c'est pas beaucoup tout, si nous voulons, nous gagne mettre dans de l'eau ça là, gagne c'est bouillon de poulet té. Moi même moi gagne bouillon de poulet, moi veux faire sans bouillon de poulet pour nous parce que à la fin moi mettre un bagage là-dedans cap tellement bon. Donc bouillon de poulet pas tellement nécessaire. On a là moi mettre épinards, moi mettre banane et puis moi gagne yam, moi pas mettre la dedans. Lorsqu'on fait un bon consommé, pas oublier consommer après le réduit. Moi prendre ça pour me faire yon morceau yam comme si m'avais dit son boucher. Donc quand parti ça lui même qui va le bouillir, juste mettre un petit sel là-dedans et un petit poivre. Et assumons là moi quitter le cuit de l'autre côté. Après on 35 minutes viande moi bouillir là. On va venir avec produit ça pour montrer nous. Ça là c'est les mêmes qui ont les malangas.
moi mettez 6 petites malangas là-dedans. Pour qui ça c'est la viande dans mettez et parce que me besoin craser la viande dans même qu'on a même quitté tout à faire prêt après ça les mine pour faire mélanger pour nous n'a pas. Après yon 30 minutes de bouillon, moi découvre li qu'on a là m'a quitté le bouilli sans couverture, même pas pour augmenter le volume, m'a toujours quitté le même genre. Parce que plus qu'il consomme en lui-même, nous avons un bouillon qui a cuit de l'autre côté, qui a vivre là-dedans, mais plus ça lui-même qu'on a qui peut cuire, c'est lui-même qui ne faut pas grimper de l'eau lui-même. Ok? Nous allons regarder. Mais viennent là, qu'on a viennent là, nous avons gardé ce cuit ensemble, ok? Avec clou de girofle là, nous avons mis les oignons entiers, tout clou de girofle qui était là-dedans, nous allons retirer. Qu'on a là, nous allons regarder si viennent là cuit. Ok? Viennent là parfait. Qu'on n'a pas oublié nous, tout ça au qu'on a la moins bas fois y a un petit volume ça c'est lui même qui malangaille vous crasez là qu'on y a malangaille fin crasé qu'on a mal fini avec l'autre vive moi te mets ton côté yam patate tout moi vide là dedans ok voilà la maman augmente volume moins qu'on y a là on va commencer mettez quelques restes ingrédients encore. Même que 3 petites graines de patates, moi prends là, moi couper en petits morceaux, moi déposer là-dedans. Même que poivron rouge là, moi déposer là-dedans. Combien là, ça là qui s'allie, c'est un petit piment bouc, moi prends juste pour moi mettre là-dedans. Moi mettre le bouillon en viande, mettre là qu'on a pour le porter parfait encore. Il pas piquer là, parce qu'il va y avoir graines de piment là-dedans. Qu'on a là, on va quitter ça cuite là, qu'on a mal quitter réduit encore davantage pour qu'elle devienne bon. Moi, il y a un seul ingrédient pour mettre là-dedans qui va faire nous dire, mais pour qui ça vraiment dit, c'est actualisé. Et là, nous regardons là, comment c'est bien, bien épaissi là, regarde-moi ça. C'est parfait. Qu'on a ça, on va le faire, on va nettoyer. Nettoyer, ça veut dire quoi? On va tirer le morceau de teint. Wow. C'est parfait, hein? C'est excellent là. On a mis, oh, il sentit bon. Mais consommer en devant là, généralement, lorsque nous ouais, consommons dans le pays, nous, tout le monde généralement, c'est comme ça qu'on fait consommer. Là, mais ça fait me faire de l'actualiser. Je viens avec demi-tasse de crème 35%. Je mets là-dedans. Une fois que je mets, qu'on a descendu le feu, vraiment mettre seulement à E2. Qu'on n'a pas de bouillon encore pour juste frémir. Waouh! Bon zézen, non. Consommer créole actualisé. Et voilà. Pas oublier qu'on est là, moi pas mettre et crème là, moi mettre là dans la poêle pour tout goût spécial là qui fait me dire nous comme ça qui me pas fait la bouillon pour l'air. Après on 10 minutes comme ça la frémi nous mais ça frémi, il pas bouilli mais il y a un monton qui fait. C'est parfait, c'est fini. On va goûter le pour moi. C'est vraiment bon. Avec crème là, il y a un goût spécial. Meni, moi mettre dans bol ça pour nous, c'est pas fait hein. Nous gens consommer vraiment épais, regarde. Bouillon, jus bien épais. Pour qui ça mettre dans bol ça pour nous, on va présenter le nom à cette gens on a mangé. Ça yo c'est recette natif natal nous, c'est nous fait consommer comme ça. Consommer dans le pays blanc, c'est pas comme ça le fait. C'est nous même qui pour mettre manger nous sous table. Dans la réception, nous gen wa baili comme ça aussi. Nous pas besoin mettre décoration sous lit. Nous gen wa fait ça, nous présenter dans la réception de mariage n'importe où comme ça là. Nous mettez bol là et puis nous allons mettre là toute dernière minute nous vider et puis pour le carité chaud. Est-ce que nous satisfait? Moi même satisfait. Pas oublier partager vidéo pour moi. C'était JFL Cuisine Créole. Jean-Fédor Lundi, votre chef à la maison de la Cano. Merci. Au revoir.